depuis ses débuts jusqu'à ses toutes dernières œuvres. Martial Rey, c'est quelqu'un qui veut parler d'aujourd'hui, mais il l'a fait tout d'abord avec le vocabulaire de son temps et aujourd'hui avec le vocabulaire de l'histoire de l'art, de l'histoire de la grande peinture. Vous savez, le matin vous vous levez, vous avez envie de vous promener, l'autre matin vous avez envie de scier des planches, d'aller embrasser votre épouse, voilà, la vie est variée. Donc moi je n'ai pas de limite à mon travail. Si j'ai envie de faire de la peinture, je fais la peinture, si j'ai envie de faire de la sculpture, je fais de la sculpture, tout à coup j'ai une idée de cinéma, j'en fais, je suis libre. Je me suis donné cette liberté. En tant que peintre qui montre son travail, je suis très heureux de la manière dont les équipes du Centre Pompidou et la conservatrice Catherine Grenier a très bien aménagé cet espace et donne un accrochage très beau. Et pour ce qui est de mon travail, je trouve que je ne me suis pas moqué du monde. Chaque fois, je me suis donné le maximum de mal pour faire du bon boulot.